tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une collaboration make-up. Au cas où, si vous ne me connaissez pas et que vous êtes des nouveaux, moi, c'est Manon. J'ai plusieurs passions, la beauté, le make-up et Pikachu. Et aujourd'hui, du coup, je vais collaborer avec Bérénice. On a voulu choisir une palette Martine Cosmetics parce que elle et moi, on adore la marque Martine Cosmetics. Donc j'ai essayé de choisir des marques que j'ai de Martine Cosmetics, mais la collaboration c'est cette palette-ci. Donc voilà, c'est la première fois que je collab avec Bérénice. C'est une personne que j'aime beaucoup. Je l'ai vue une seule fois par hasard il y a 2 ans je crois, ou l'année dernière, je sais plus, le temps passe tellement vite. Je crois qu'il y a 2 ans, moi je crois qu'il y a 2 ans, au solde à Sephora. Je l'ai vue par hasard. Au cas où, si je retrouve la photo, je vous mettrai la photo ici. Je suis contente de collaborer avec toi, Bérénice. Sache que j'adore comment tu es, ta personnalité, ta façon de penser, tout ça. Franchement, j'aime beaucoup ta personne. Donc, voilà. Donc, je suis ravie d'avoir fait cette collaboration avec toi. Et du coup, c'est parti pour la Martine Cosmetics. Donc, c'est cette petite palette là. Donc on a choisi cette palette ci ensemble. Donc elle et moi, nous savons pas comment on va se maquiller, quelle couleur qu'on va choisir dans la palette. Et la palette se présente comme ceci. Elle est bien colorée, je trouve que j'aime bien aussi les couleurs colorées. Moi j'aime toutes les couleurs, donc je ne sais pas, franchement j'ai hésité entre une partie bleue parce que j'ai choisi cette palette-là d'highlighter, du coup, de chez Martine Cosmetics. Et il y a un highlighter bleu. Je me suis dit, pourquoi pas faire un petit highlighter bleu avec un make-up bleu. Donc, je pense que je vais faire ça. Franchement, je pense que ouais, je vais faire ça. Et puis, en plus, vu que vous n'allez pas voir, mais vu que mon haut est un petit coquillage, je me dis bleu, ça ressemble un peu à la mer et tout. Je sais pas. Donc oui, on va faire du bleu, ça change du bleu. Bon, d'habitude le bleu j'aime pas trop parce que vu que j'ai les yeux bleus, ça fait bizarre sur mes yeux. Mais on va faire ça. Et puis voilà, je vais essayer de pas trop bavarder dans cette vidéo pour que vous regardez rapidement la vidéo et que ça soit pas trop long pour vous et surtout pour moi au niveau du montage. Donc c'est parti pour ça. Donc, j'ai déjà fait mes sourcils, comme vous voyez. Mon teint est déjà fait. Il ne manquera plus qu'à mettre le blush, l'highlighter, le gloss. Donc, j'ai pris un petit Martine Cosmetics. Le mascara. Mais le mascara, je mettrai hors caméra. Le crayon pour la muqueuse, hors caméra. J'ai pris aussi l'eyeliner Martine Cosmetics. Je le mettrai hors caméra. Voilà. On va se concentrer surtout sur la palette que j'ai en collab avec Bérénice. Et puis, voilà. Allez, c'est parti. Je me munis d'un pinceau et je vais prendre un bleu. Du coup je vais prendre deux bleus, donc je vais prendre lui et lui, deux bleus mat. Hop. Et c'est parti pour ça. Alors moi je suis une débutante hein, je suis pas une professionnelle de make-up, c'est juste que voilà, c'est une passion, j'aime bien j'aime bien le make-up, donc voilà. On juge pas comment je me maquille. Je sais que des fois, ça pourrait être mieux. Mais chacun se maquille comme il veut. Voilà. J'espère qu'en tout cas, vous, ça va bien. Que la semaine d'anniversaire au niveau des vidéos vous plaît. Voilà. Vous entendez crier, c'est des enfants dehors. Voilà. Je vais prendre du coup le bleu un peu plus clair là. Hop, et je vais le mettre un peu plus qu'on voit quand même. Parce que les irisés, c'est des bleus foncés. Donc, hop. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec le bleu, mais je suis à fond dans le bleu.
Passion bleu en ce moment. Estompé. Voilà. Voilà. Je vais prendre les deux fards irisés, donc au doigt lequel que je vais choisir. Bon, ils sont un peu ressemblants quand même, hein. Je vais mélanger les deux sur mes paupières. Et puis on verra. Je vais mettre le foncé là. Ici du coup. Hop, et le plus clair ici. Je ne sais même pas si on voit la différence. Non, franchement, on ne voit pas la différence. Donc je mélange le tout. Hop. Je vais faire pareil de l'autre œil. Hop. Voilà. Et comme d'habitude, je vais prendre un pinceau plat pour mieux pour que ça fasse plus propre. Évidemment, je vais nettoyer tout le contour après. Donc, je prends les deux fards à paupières sur mon pinceau. Hop. Et c'est parti. Voilà, il y a un peu de chute, hein. On va prendre mon pinceau. Et hop. Voilà. Voilà au niveau du bleu. Je vais prendre le orange, j'allais dire. Le jaune. Je prends le jaune sur mon pinceau et je vais le mettre justement ici et là dans le creux et je vais redescendre ici. Voilà, ça se voit bien. Je vais nettoyer un peu mes yeux. Je reviens. Voilà, au niveau des yeux du coup, j'ai tout nettoyé. Comme vous avez vu, j'ai mis mon mascara, mon crayon à muqueuse, pour la muqueuse, mon trait d'eyeliner. Donc voilà, je le trouve sympathique. On n'a pas encore fini, hein, je vous rassure. Au niveau de la palette, on a fini. Hein. Franchement, je le savais, elle est toujours aussi canon. Mais là, du coup, on va s'occuper du blush, du coup, et de l'highlighter et du rouge à lèvres. Et on aura fini. Et on va prendre la palette Martine Cosmetics, donc celle-ci, que vous pouvez toujours retrouver sur le site Martine Cosmetics ou Beauty Bay. Donc franchement, très 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 jolie. Je vais mettre... Je vais mettre lui et lui en même temps. Donc je vais doucement parce que c'est hyper pigmenté. Mais j'adore ces produits. J'aimerais bien tester le jour où je recommande. J'aimerais bien tester, c'est son mascara. Justement, Martine Cosmetics, j'allais dire. Justement, Bérénice parle beaucoup de son mascara. Et je vous avoue que j'aimerais bien tester. J'aimerais bien tester son mascara.
Mais moi, j'ai juste testé ces palettes. Je les ai presque toutes. Je crois qu'il m'en manque 3. Mais j'ai déjà une bonne collection de fards à paupières en palette pour de la marque Martine Cosmétique, du moins. Hop. C'est un peu poudreux, mais moi, ça me dérange pas. Franchement, elle est canon. Et en highlighter, du coup, on va prendre le bleu. Alors, cette palette-là, je ne l'ai pas. Par exemple, en fard à paupières, je compte me la prendre. C'est beaucoup de fard bleu, justement. Parce que c'est un thème de mer. Et quand elle sort des collections, franchement, elle nous fait des vidéos de malade. Les highlighters Martine Cosmétique, c'est de la bombe. Si vous aimez la collection, j'allais dire. Si vous aimez la pigmentation, foncez parce que c'est très bien pigmenté. Regardez-moi ça. Trop trop beau. Je vais rajouter du blanc, comme s'il n'y en avait pas assez, pour mettre un peu de blanc par-dessus pour que vous voyez. Mais là, je pense qu'il y en a assez. Quand même. Je vais reprendre mon gros pinceau et je vais estomper un peu. Hop. Et on va mettre le gloss. J'aimerais bien tester aussi ces produits à lèvres. J'ai que ça comme gloss, moi. J'ai pas. Oh, regarde-moi ça. J'ai pas de. Oh, il est magnifique. Oh, il est beau. On croirait pas comme ça. Il y a des paillettes blanc, bleu, violet. Il est magnifique. Et puis, ça s'applique super bien. Voilà. Regardez-moi ça. Oh, trop canon, franchement, trop canon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais hop, j'abaisse un peu mon miroir. Je vais vous lever un petit peu plus. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. On voit bien avec les éclairages, mais j'aime beaucoup ce petit look. Qu'est-ce que vous en pensez? Et toi, Bérénice, qu'est-ce que t'en penses de mon make-up? Dis-moi en commentaire, dites-moi en commentaire. Ben voilà pour cette collaboration avec Bérénice. J'ai hâte de voir ce que Bérénice, qu'est-ce qu'elle s'est fait comme maquillage. Quelle couleur qu'elle a choisie surtout pour cette palette-là. Donc voilà. Si vous voulez la retrouver sur Beauty Bay, sur le site Martine Cosmétique. Voilà, si vous voulez retrouver cette marque-là. Et au cas où, si vous ne connaissez pas Bérénice, mais ça m'étonnerait, hein, je vous laisserai du coup le lien pour cliquer sur sa chaîne et regarder la vidéo collaboration avec moi du coup. Donc voilà. Voilà pour cette collab avec Bérénice. J'étais très contente de faire cette collab avec toi, Bérénice. J'espère que toi aussi également. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas oublier mes prochaines vidéos. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et d'aller voir la vidéo de Bérénice. Allez, bisous, bye bye!